Nous sommes le mercredi 23 juin, il est actuellement un peu plus de 10h30. On se dépêche, on mange. Là, je suis motivée. Alors dépêche-toi! Bon bah je vous explique pas qu'est-ce qu'on fait. T'expliqueras plus tard! Je vous le dis rapidement, on va faire le bureau enfin. Arrête! On va acheter les meubles. Je t'entends pas là! On va acheter les meubles, on va refaire le bureau. Donc bref, on va à IKEA. Il faut qu'il aille se faire rembourser d'un achat à la FNAC. Parce que ça ne lui convient pas. On doit aller à Action acheter une visseuse dévisseuse. Parce que les nôtres, elles sont éclataxes. Et j'ai une tête de zombie, c'est un truc de ouf. Et on va à la IKEA donc pour acheter les meubles et quelques petits bocaux. C'était rapide quand même, 54 secondes. Moi, je suis ravie, voilà. On est à IKEA. Enfin, on arrive à ces villages. On va aller à la FNAC pour faire rembourser son achat, là, qu'il avait acheté un truc à la FNAC. Mais ça lui convient pas. Du coup, j'espère qu'ils vont pas faire chier, parce qu'il l'a utilisé. Non, t'as pas utilisé. Je l'ai ouvert. Tu l'as ouvert, ouais. J'espère qu'il va pas pleuvoir, hein, parce que moi, j'aime pas ce genre de temps. J'ai regardé si Zeus allait faire des orages, là. Mais non. Donc, on est bien, on est bien. On dirait tout avec des robots. J'irai froid. Ah, ils font des reconditionnés. IKEA, IKEA, IKEA. Là, c'est le blanc. Après, ça, c'est le tiroir complet. Et donc le noir il est peut-être C'est celui-là, voilà. Bah blanc et noir c'est pas la même truc, si. Donc c'est celui-là qu'il faut. Du coup nous c'est ça. Je fais un trou d'air, je m'en fous. Ouais. Du coup nous c'est ça. Mais en noir. Il y a peut-être marqué derrière là. Non, c'est pas marqué. Ah brun noir c'est là l'allée. Et en fait il y a un nouveau bol, enfin bol avec couvercle. Par contre 5,50€. Hein. Mais il est gavé beau. Il est comme ça. La musique elle est extrêmement chiante. Hein. Mais il est trop beau, il est mat et tout, il est vraiment beau. J'aime trop. Par contre, on peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, ça qui est chiant. Du coup, on va reprendre des petits bocaux. T'as besoin des gros bocaux ou tu peux prendre un truc comme ça? Non, t'as besoin des grands? Après, j'aime trop ce genre de tapis. Il est trop beau. Celui-là aussi. Mais pour nettoyer, si Bichette vomit dedans, bah, c'est pas du tout pratique. Celui-là aussi c'est pareil, c'est les poils longs, donc c'est pas du tout pratique. C'est ce genre de tapis en fait qu'il faut pour nettoyer, en plus avec l'aspirateur ça nettoie beaucoup mieux. J'aime trop, mais il est trop trop beau celui-là, oh là là, il est magnifique. Bon maintenant faut pas que je me trompe de coloris, ça c'est toute ma vie, ça me trompe dans les coloris. J'espère qu'ils en ont. Parce que nous on vient en mode ouais c'est super on va faire le bureau, mais est-ce qu'ils en ont? Je ne vois aucun besta noir. Ça y est, c'est trouvé. J'étais pas au bon emplacement comme d'habitude. Et là, t'as les étagères, c'est ça? Ouais. Oh, 15! Non, c'est la porte. Celle-là, je crois, hein, 56. Ouais. Moi, c'est vraiment une histoire de ma vie, ça. Je prends des étagères, c'est pas la bonne taille. À chaque fois. Mais je crois qu'il y en a pas 46 000 d'étagères. La profondeur, 36. Ouais, c'est ça. Largeur, 56. Ouais, c'est ça. Du coup, on vient de rentrer. On a acheté des petites choses à Action, je vais vous montrer ça. La première chose, c'est ça, c'est des petites... comment on appelle ça? Des mèches, béton, bois, etc. On n'en avait pas du tout. Et en plus, des petits... enfin, c'est bien fait, je trouve. C'est 10€ à Action, donc vous avez les petits embouts comme ça, les petites mèches, etc. Et ça, il y a aussi ça pour mettre ce genre de petites choses. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ensuite, on a acheté ça. Le nez, il est cassé. C'est pour mettre les masques en tissu. Je les mets dedans et je les mets au lave-linge parce que sinon, ça se coince dans le tambour, donc c'est pas ouf. Et j'ai pris aussi un plat pour mettre au four parce que j'en ai un tout petit. Et quand je fais du poulet, ça rentre pas, donc c'est un peu chiant. Du coup, là, j'en ai pris un. C'est 4€. Ça, c'est 69 centimes. Et nous avons pris aussi une visseuse. Enfin, on en a plusieurs en fait des visseuses. Le problème c'est que la batterie ne tient plus, donc faut changer les batteries. Sauf que les batteries coûtent 100€ l'unité. C'est extrêmement cher. Donc pour l'instant, on a pris ça coûtait 30€. Vous pouvez acheter une batterie en plus qui coûte 30€ aussi. Principe?
D'accord. Donc voilà, elle a l'air plutôt pas mal. Voilà, c'est une action. Tout ce qui est matos, un peu action et tout, ça, c'est plutôt bien au niveau qualité-prix. Ouais, franchement, on va tester ça tout à l'heure. Et mon chacha, tu fais quoi dans le sac? On a repris aussi des petits bocaux comme ça, vous savez, des bocaux basiques. C'est les mêmes que ceux-là. Donc on va en mettre à la place de là au-dessus, on va en mettre. Et on a trouvé aussi, enfin c'est mon copain qui le voulait, c'est en édition limitée, je sais pas du tout si vous allez retrouver ça. Ça se vend maintenant sur eBay très très cher, ils sont tarés les gens. En fait c'est une édition limitée, c'est une horloge fantôme on dirait. On la trouvait pas en rayon, donc on a demandé au vendeur s'il en avait. Il m'a fait non, en fait c'était édition limitée, il y en a plus du tout. Enfin ça se trouve que en magasin, ça se commande pas, etc. Après on est parti, il nous a dit ah mais attendez, regardez au niveau des bons plans, peut-être qu'il y en a encore une qui était celle des expositions. Donc on était là au bon plan et elle était là et ça coûtait 17,50€, donc c'était à moins 50% parce que de base ça coûte 35€, donc c'est plutôt une belle affaire. Elle était un petit peu abîmée etc, mais on l'a nettoyée et elle est comme neuve. Donc voilà, c'est un concept hein. C'est un truc que tu n'accroches pas au mur, c'est un truc que tu poses en fait sur une étagère. Du coup j'étais en train de ranger un petit peu la cuisine parce que là c'était Bagdad, j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai remis les sacs poubelles, enfin voilà, choses comme ça. Et il faut peut-être que je range aussi un peu tout ce bordel parce que c'est n'importe quoi. Et on va s'attaquer au bureau. Du coup, à Ikea, on a pris donc les Besta, on a pris des étagères. Donc, c'est en brun noir. C'est pas noir, c'est pas brun, c'est un entre-deux. Donc, l'étagère coûte 5€. Donc, ça nous a fait 20€ d'étagère et 90€ de meubles puisqu'on en a pris deux. Voilà l'état actuel du bureau. Il y a un bras en fait qui prend en fait tous les deux écrans et il faut qu'il fasse un trou en fait dans le meuble pour faire passer le bras parce que c'est un très gros bras. Et ben moi ça va, j'ai pas grand chose à virer quoi. On va mettre tout ça sur le lit, on va virer vraiment tout sans la mettre dans le dressing, et on va passer un grand coup d'aspi, grand coup de serpillière, un grand tout de tout ce que vous voulez. Du coup on va vous montrer le après quand ça sera vide. On a mis tout sur le lit. J'ai mis un petit drap pour protéger nos draps. Ah mon Cécia, boichette. Il arrête pas de faire des conneries avec les fils et tout, c'est insupportable. Voici le bureau. Oh là là. Ça fait grand hein. On va nettoyer les planches, on va nettoyer le mur parce qu'il y a des petites traces là. Je sais pas si vous voyez les traces. C'est parti Chiquette. Eh oui. Et voilà la pièce. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça ferait une belle chambre d'enfant hein. Ta tête là. Ah mais son. T'imagines un mélange de nous deux. J'ai loqué. C'est une catastrophe. En tout cas c'est bien clair, hein, bien lumineux. C'est ouf, hein, ça agrandit la pièce. Hein. On vient de tout nettoyer la pièce. Donc au moins ça c'est vraiment clean, c'est vraiment propre. Même si on va encore faire un petit peu de poussière. Là c'est le bordel. Là c'est Bagdad. On a mis les deux meubles ici pour l'instant. Donc ça gêne au niveau des manteaux pour mon copain parce que ça c'est long. Mais pour les miens ça va. Donc en fait là-dedans on va mettre tout ce qui est travaux. Donc on va étiqueter en mode ouais là c'est les vis, là c'est ceci, là c'est cela. Et là je mettrai aussi tout ce qu'il y a dans cette boîte. En gros c'est toutes mes créations. Mes petits trucs à création, mes washi tape, mes stickers, mes choses comme ça. Je mettrai tout dans les petits tiroirs comme ça. Ça va faire beaucoup plus rangé. Et là on va s'attaquer, on essaye de pas trop s'éparpiller. On va s'attaquer au montage de ces meubles là. Donc c'est la référence, je vais vous la montrer. C'est la Besta. C'est ça qu'on a pris comme dimension. Et j'ai reçu un message de DHL en disant que j'allais être livrée de mon néon enfin. Mais sauf que c'est demain. Et demain en fait je pars à Astérix. Donc toute la journée je ne suis pas là. Et comme par hasard il y a toutes mes livraisons qui se font le 24. Toutes. Il n'y en a pas une qui n'est livrée le 25 ou le 26. Donc voilà la couleur du meuble, ça va faire trop beau. Ça va apporter un petit peu de profondeur. En fait, au début, on voulait peindre la moitié du mur en gris anthracite pour apporter un petit peu plus de profondeur aussi. Mais au final, non, on va pas le faire. Voilà toutes les petites pièces. Je pense que ça va aller vite parce que c'est un meuble qui est très très simple à monter. C'est que de l'assemblage et pas beaucoup de choses à visser aussi, je pense. Hein. On va faire le claquement de doigts, tiens. 1, 2, et voilà. C'est magique, hein. Je crois qu'on a mis une heure pour essayer de comprendre et tout, disposer. En fait, le problème, c'est que j'aurais bien voulu avoir le radiateur à disposition. Sauf que c'est pas possible parce qu'il faudrait décaler le meuble. Et ça n'irait pas en fait dans la disposition. Je suis contente du meuble parce qu'il est vraiment, vraiment bien solide. Ça tangue pas, ça bouge pas. Alors que les autres trucs qu'on avait là, ça bougeait beaucoup trop. Ça déformait aussi. Ça se déformait. Et là, je pense que ça va pas du tout se déformer. Là, on va mettre l'imprimante, etc. Sauf qu'on a oublié de faire le trou. Donc mon copain il va le faire avec un cutter ou je sais pas quoi. Et voilà, donc on va pousser le meuble jusqu'au bout.
Hop, du radiateur. Là, voilà, elles vont mettre à la planche, on peut faire passer tous les câbles. Donc là, il n'y en a que un pour l'instant, donc on va faire le deuxième. Et le deuxième, il y aura un peu plus de travail parce qu'il faudra découper le fond pour faire passer les gros câbles de mon copain. Un ticket, c'est le bordel. Hein? Le piano, c'est le bordel. Chuckette, c'est le bordel. C'est une catastrophe. Hein, check. Là, c'est le deuxième. Et mon copain qui n'a pas mis de fond exprès pour passer tous ses câbles, tout son bordel. Et mettre en fait son ordi en bas. Comme ça prendra plus de place. Sur le bureau, j'ai mis mon imprimante. On a fait le petit trou pour l'imprimante. Vous n'allez pas le voir, mais on a fait le petit trou. Et je vais mettre tous mes cours ici, enfin les classeurs que j'ai ici. Et là, je vais acheter, vous savez, des petites cagettes que je vous avais montrées à Loire-Marin. Alors, j'ai fait quelques petites courses chez Action. J'en ai eu pour 28,10€. Donc, j'ai pris du sel. Enfin, j'ai pris plein de choses pour le lave-vaisselle. Donc, du sel comme ceci, j'en ai pris en x2. Ça, c'est 99€. J'ai repris des torchons. Des torchons plus beige, je pense que ça peut être mieux parce que nos torchons là, ils sont en train de mourir. J'ai pris ensuite une petite boîte comme ça pour ranger tout ce qui est outillage, tout ce qui traîne un petit peu. C'est pour mettre dans le petit meuble, j'espère que ça va passer au niveau de la largeur. J'ai pris une boîte pour mettre avec des chevilles et des vis, comme ça on en aura d'avance. J'ai pris des petits scotch pour les câbles et j'ai pris aussi une boîte à vis, comme ça on aura des petites vis. Et j'ai pris un rangement, j'espère que ça va passer dans le meuble ça vraiment, je vais voir ça juste après, un dérangement pour mettre les vis etc, tout ce qui traîne, j'en ai pris x2. J'ai pris aussi du liquide de rinçage et un nettoyant machine parce qu'il faut vraiment le nettoyer. Je vous montre les petites boîtes d'Action, elles passent super bien dans les meubles donc de chez Ikea, donc ça déjà ça passe, ça passe largement et ça c'est super bien parce que ça passe comme ça. Du coup, on peut en mettre 2, on peut en mettre 4 en fait par tiroir, donc pour ranger les vis et tout, franchement c'est super. Nous sommes donc quelques jours plus tard, 2 jours dans mes souvenirs, je sais plus du tout où est-ce que je vous ai arrêté dans le vlog. On a mis les deux meubles comme ceci, on les a pas collés, c'est fait exprès, parce que sinon ça faisait un petit peu chelou par ici. Du coup on les a pas collés, il y a mon copain qui a pas encore mis ses étagères mais il va m'enfiler une donc je suis contente. Donc là en fait on a mis l'ordi de mon copain, au moins ça c'est cool, il est bien ici, enfin il y a tous les branchements, ils sont derrière donc on voit vraiment pas. Là il veut mettre un tiroir ou je sais pas trop quoi donc il ira voir à Ikea. Mais ouais c'est vraiment plutôt quali, ça tient super bien. Donc là je vais rajouter une étagère en fait ici au dessus pour mettre des petits bacs. Et en dessous tout passe pour mes gros classeurs. Donc au moins ça c'est vraiment cool et là je mettrai mes petits paniers. Prince il se mettait là dedans pour dormir, c'était trop bien. Alors le problème du noir c'est que on voit tous les poils, toute la poussière, ça, c'est extrêmement chiant. Mais bon je trouve que comme ça en fait ça se voit vraiment pas et c'est beaucoup plus quali. Ça tient beaucoup mieux le bureau, vraiment ça n'a rien à voir. Et puis au moins là il y a beaucoup plus de place pour les affaires de mon copain parce qu'avant il mettait son ordi ici. Et là, bah, il a beaucoup plus de place, quoi. Petit yaourt là-bas, là. J'avais faim, j'ai pas pris de petite idée. Avec le Kinder, là. Ouais, ça c'est pas ce que t'as acheté. Du coup, on a les cartons qui sont juste là. Et là, c'est mon bureau, donc j'ai essayé de remettre un peu comme c'était. Bon, là, c'est le bordel. Et donc, on a reçu enfin le néon que j'attends depuis vraiment très longtemps, depuis au moins 2 mois, je crois, 1 mois et demi, 2 mois. Donc je vais vous montrer ce néon magnifique. Vraiment, je suis trop contente. Unboxing Yellow Pop. Première. Alors, première petite mousse. C'est super bien emballé, en tout cas. Oh, ah, tu vois ? Allez, franchement, elles sont bien. Hein. Ouais, elles sont cool. Elles sont cool. Ils ont mis des petites attaches pour le mettre au mur si on veut pas faire de clous. Enfin, de trous. On prend ça et franchement, ça a l'air super bien. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ça a l'air trop bien. Il est très très grand hein, le néon. Il y a marqué On Air avec des petites parenthèses. On l'a choisi en couleur jaune. Enfin, il y a plusieurs couleurs en fait sur leur site. Et je vous mets d'abord mon code promo qui s'affichera juste là. C'est un code promo qui vous offre 10% sur tout le site. Et ça vaut vachement le coup parce que ce genre de néon ça coûte assez cher. Du coup 10% c'est pas rien. Et moi ça faisait longtemps que je voulais un néon. Je voulais marquer Pandapi. Mais j'hésitais de fou. Et je me dis ouais si un jour je change de nom de chaîne bah voilà. La marque m'a envoyé gentiment le produit, donc je l'ai reçu gratuitement, je n'ai rien payé du tout, c'est un partenariat, donc ça c'est en collaboration avec la marque Yellow Pop. Donc ça c'est pour le mettre en wireless, donc pour utiliser je pense la télécommande, enfin, une télécommande
qui est avec. Donc ça, je savais pas qu'il y avait ça. Ouais, c'est bien. Je sais pas si tu peux changer la luminosité ou même la couleur. Peut-être la luminosité. L'intensité, ouais. Ouais, l'intensité. On va voir ce que ça donne. Vas-y, branche mon cœur. Ah ouais, quand même. Sur la caméra, ça rend trop bien. Oh, ça rend vraiment trop trop bien. Et là, vous avez l'autre parenthèse que juste là, sauf que j'ai pas assez d'espace tellement qu'il est grand. Il doit faire... Il y avait les dimensions, je crois, 80 cm. Donc c'est quand même immense. Et là, je vais mettre donc les piles là-dedans. C'est dommage qu'ils mettent pas de piles. Là, c'est pour mettre beaucoup plus chaud. Par contre, là, tu vois... Ah si, ah, c'est si. Tactile. Tu vois, je te disais, c'est peut-être... Et en fait, ça, c'est tactile. Hop. La télécommande, elle est vraiment belle. C'est hyper quali. Min, max, milieu. Ouais, t'as juste à appuyer en fait sur les petits boutons qui sont juste là et pour faire off, voilà. Bah, c'est, franchement, c'est super quali. On va le mettre sur le mur, on va vous montrer ce que ça donne à la lumière du jour, enfin sur un mur, en fait, voir ce que ça donne de nuit. J'adore moi les néons de base, mais mon copain il est pas très fan. Et là, on a trouvé un néon qui nous plaisait tous les deux, le On Air. En plus, ça fait vraiment très studio et dans le bureau, ça fait trop trop beau. Du coup, bah voilà pour le petit néon, donc on va l'installer maintenant. On savait pas trop où le mettre, soit ici. Au-dessus des figurines, sauf que ça va pas trop avec l'univers Disney, mais j'aime bien l'emplacement. Ou alors... Bah, ça irait avec le clap. Ouais, c'est vrai qu'il y a un clap de base ici. Ouais. Sinon, on va pousser les chaises. Soit devant, mais ça va me... Je pense que ça va me tuer les Bah, après, t'es pas obligé de le mettre à fond la nuit. Ouais. Hein. Ou sinon, de base, c'était là, en fait, l'endroit où on voulait le mettre. Voilà, donc je sais pas. Parce que jaune sur bleu, ça va faire chelou là-bas, non? Alors que là, ça va apporter une touche de couleur. Ouais. Moi, je préfère là. T'en penses quoi? Bah, ouais. Pourquoi c'est pas? C'est pas du porteur, du coup, c'est plus simple. Là, c'est pas du porteur? Non. Okay. On peut faire des trous. C'est comme tu veux. Moi, les trois me vont. Et mon copain, il me disait que c'était mieux de faire des trous, parce que ça l'écartait un petit peu plus du mur. Ouais. Que si on mettait les languettes. Moi, je suis pour faire les trous. Ouais. Par contre, il faut faire les trous voir, au bon endroit. Faut faire ça pas à l'œil. Bon, on va l'installer et on vous montre ça juste après. Donc on vient de l'accrocher. Le problème, c'est qu'on a eu deux fois ça, donc je pense que c'est une erreur. Donc on avait deux fois trois vis, donc ils ont dû se tromper dans les sachets. Donc on a pris une mèche, je sais combien la mèche bébé. C'est une mèche de 6,5 qu'on a utilisée pour faire le trou. Donc c'est des grosses mèches quand même. Et franchement, ça coulait de source. C'était très facile à mettre. On a mis, je pense, 10 minutes, 10-15 minutes. À essayer de comprendre, etc. Nettoyer le mur aussi. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc, je l'ai mis au-dessus de mon bureau, juste là. Ça fait vraiment trop joli. C'est pile poil la bonne largeur, etc. La bonne hauteur. On va faire avec la petite télécommande. On va voir ce que ça donne. Attention. Oh ! Là, c'est au max. J'aime bien quand c'est au max parce qu'en fait, il y a des reflets. Vous voyez, je pense que vous voyez bien. Il y a des petits reflets sur le mur. C'est trop, trop beau. Donc, on a collé le fil au coin du mur. Comme ça se verra un petit peu moins. C'est vraiment trop bien. Donc on va vous montrer de nuit ce que ça donne. Bon, je vais essayer de vous montrer... Parce qu'en fait on voit... Oh, c'est magnifique de nuit, c'est un truc de ouf. Alors ma caméra n'est pas très optimale pour... Ah, on y arrive. C'est magnifique de nuit, c'est trop trop beau. Ça rend mieux en vrai qu'à la caméra. Ça plonge vraiment toute la pièce... Dans le jaune. Dans le jaune. Mais vraiment toute la pièce. Là on voit pas vraiment. Mais c'est vraiment très 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 joli. Vas-y, baisse. Hop. Là on voit un petit peu mieux. C'est trop beau. Bon, le minimum, il n'éclaire pas du tout la pièce. Hein. En vrai, ouais, c'est, on le voit, tu vois. On le voit super bien. Nuit, on le voit. Ouais, on le voit super bien. Donc ça, c'est vraiment cool, mais ça éclaire pas la pièce. Et si on veut vraiment éclairer la pièce... Ça, ah, ça, c'est le milieu, putain. Ouais. Il éclaire bien. Et ça, le max... Ah ouais, le max, il éclaire de ouf. Donc voilà pour le bureau. Il y a eu quand même des petits changements. Je suis trop contente du néon. Les meubles sont hyper quali. Alors, je vais pas vous montrer tout. Puisque je vais vous faire un desk tour. Un desk tour avec tous les changements qu'il y aura. Donc là, on va bien ranger, etc. Et je vous montrerai ça. Donc ça sera dans... Faudra patienter un petit moment. Donc là, je vous montrerai vraiment une petite avant-première de comment ça va être. Parce que voilà, il y aura un petit peu plus de déco. Il y aura des petites choses. Donc je vous montrerai ça tout dans les vidéos Back to School. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Comme ça, au mois d'août, ça va être des grosses vidéos. Pendant 2-3 semaines, une vidéo par jour. Donc il y aura beaucoup de taf. Bref, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si vous n'êtes toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.